vous vous souvenez de Michal, le candidat de la saison 3 de la Star Academy qui avait terminé en finale contre Elodie Frégé? 18 ans plus tard, le voilà face à Jordan Deluxe en train de donner des nouvelles. Sans langue de bois, le chanteur a évoqué le sujet de la chirurgie esthétique. Soucieux de son apparence physique, il n'hésite pas contre l'idée de céder un jour aux sirènes du billard. En attendant, si Michal assure ne pas avoir côtoyé le bistouri, il a tout eu recours à quelques pratiques pour se donner un petit coup de frais. Ça m'est déjà arrivé de faire quelques injections d'acide hyaluronique, note de la rédaction, et de la mésothérapie avec des vitamines sur le visage, confie le chanteur, qui ne se dit pas contre passer aux choses plus sérieuses dans les années à venir, si besoin. Je pense que je serai tout à fait d'accord et prêt pour en faire, je n'aille rien contre, avoue-t-il. Jordan Deluxe lui demande alors ce qu'il souhaiterait changer chez lui, et Michal de répondre, j'ai envie de me trouver bien, donc s'il y a quelque chose qui me dérange un jour, je le réparerai. Si pour l'instant, le chanteur assure que rien ne le complaît, il reconnaît que ça peut évoluer. Je n'ai que 38 ans, mais ça va changer et les problèmes vont se multiplier. Si est-il là que je ferai des choses, explique-t-il avant de déclarer, sûr de lui, si j'ai les moyens de le faire, je vais le faire. Michal, ce détail qui lui pose problème concernant son poids en attendant de passer à la chirurgie esthétique, Michal semble avoir une autre source de préoccupation, son poids. Celui qui chantait sur l'orange du marchand avoue avoir du mal à prendre quelques grammes. Je n'arrive toujours pas à grossir, pourtant je mange beaucoup, confie le chanteur qui explique cette curiosité par le fait qu'il soit très nerveux et qu'il bouge énormément. Il y a des jours où je fais 70 kilos, je suis très content et fier de moi, du coup j'appelle tout de suite mon coach pour lui dire, ouais, allez, la prochaine fois, 75. Et le lendemain, je suis à 68, raconte le chanteur, un brin désespéré. Loading DJ.